Dans cette cidrerie de Chamberay, c'est le rythme de travail qui s'adapte aux ouvriers et non l'inverse. L'établissement est une entreprise adaptée gérée par l'AVEC, l'association vieillesse et handicap de Chamberay, qui n'emploie que des travailleurs handicapés. On a deux salariés qui travaillent en cidrerie toute la saison, on va dire, et les autres personnes qui viennent en soutien, on va faire attention à ce que ce soit une journée par semaine, que ce ne soient pas des personnes en continu, pour justement éviter la fatigue, parce que c'est une activité qui est très physique pour le type de structure, justement. Si en 2010, l'AVEC décide de se lancer dans la production de cidre et de jus de pomme, c'est pour offrir à ses salariés une activité nouvelle, plus épanouissante. Au départ, j'étais au nettoyage, après j'ai fait la blanchisserie, et puis ma directrice m'a demandé si cela m'intéressait de me former en cidrerie. Bien sûr, j'ai accepté tout de suite. J'ai toujours adoré travailler dans l'alimentation, quoi. Donc c'est ce qui m'intéresse, le goût, les saveurs. Les entreprises adaptées ont généralement toutes un petit peu les mêmes activités, espace vert, blanchisserie, nettoyage des locaux. Et voilà, la cidrerie, c'est une activité un petit peu originale et intéressante pour nous. Même en termes de communication, ça permet de se démarquer des autres entreprises adaptées qui peuvent exister. La cidrerie produit environ 10 000 bouteilles de jus de pomme et autant de bouteilles de cidre par an. La particularité de son cidre, il est fait à base de blanc d'Urette, une variété de pommes anciennes qu'on ne trouve que dans quelques cantons de Corrèze. C'est une pomme qui est douce, qui est sucrée et légèrement acide. Elle peut très bien être utilisée donc, pour faire la cuisine, mais c'est aussi une bonne pomme à couteau et qui se conserve très bien. Et puis également, c'est une pomme à cidre qui produit énormément de jus. Après avoir failli disparaître, la blanc d'Urette a été sauvée au début des années 2000 grâce à une association de pommiculteurs, les Amis de la blanc d'Urette. L'association recense les pommiers chez les agriculteurs et les particuliers et incite leurs propriétaires à vendre leurs pommes à l'entreprise adaptée. Ça les arrange parce qu'on leur achète leurs pommes et nous, ça nous fait vivre, ça nous fait travailler et ça nous fait connaître, quoi, surtout ça. Avec la blanc d'Urette, l'entreprise adaptée obtient un cidre doux et sucré. Celui-ci est principalement disponible en vente directe à la cidrerie ainsi que dans certaines épiceries du canton de Trégnac.